D'abord, ce centre de maintenance, il était très attendu par la région et par l'ensemble des concitoyens de cette région. C'est 70 millions d'euros hein, qui ont été mis sur la table pour pouvoir opérer tout de suite les nouveaux trains que vous voyez déjà arriver dans votre région et qui sont au début des livraisons, mais il va y en avoir plein d'autres pour d'abord remplacer ces voitures corail par des matériels roulants neufs. La région a beaucoup investi, le président Bonneau l'a rappelé, 460 millions d'euros, près d'un demi-milliard pour les concitoyens, tout simplement pour leur permettre d'avoir un transport écologique. Il n'y a pas plus écologique que le train, comme vous le savez. Tous ces trains sont de la dernière technologie. Vous aurez à bord, bien sûr, toutes les prises de courant, les prises USB, et puis surtout, quelque chose qui tient à cette région très touristique et que nous accompagnons sur ce sujet, permettre l'accès au vélo, qui est également un point important. Centre-Val de Loire est une région éminemment touristique et au vélo en particulier. Donc oui, ce centre, avec ses 70 collaborateurs nouvellement recrutés pour cela, sera le poumon ferroviaire de la région rhône-alpinaise. Un technicentre, ça doit être sur le lieu le plus proche pour opérer le service. Vous êtes à côté de la gare. L'intérêt de ce technicentre, c'est qu'il est embranché au plus près de la gare d'Orléans et vous avez ici une meilleure garantie de robustesse de service, c'est-à-dire que les trains partent et arrivent à l'heure, en particulier pour leur zone de maintenance, donc il était important de le faire. Et puis, il est complètement adapté au nouveau matériel roulant, ces régio 2N, qui sont d'une nouvelle technologie. Et à la nouvelle technologie, il faut un atelier qui puisse supporter cette nouvelle technologie. On a ici une réalisation, je l'ai dit, qui à tout point de vue est exemplaire. Une réalisation écologique, une réalisation industrielle, une réalisation partenariale, une innovation et une très très belle réalisation industrielle aussi pour montrer qu'en France, on croit à la fois au train et à l'industrie. Investir dans le réseau, ça ne se voit pas toujours, mais c'est essentiel pour que nos trains du quotidien fonctionnent. Porter ces nouveaux projets de trains du quotidien entre les régions et l'État, c'est aussi très important. Et la SNCF est un opérateur des trains du quotidien. Les TGV, c'est une petite partie des déplacements aujourd'hui. Et donc, on doit le souligner, le dire et le porter aussi dans notre discours politique. Bien sûr, TER, train du quotidien, par l'innovation, par le confort, par les tarifs. On a un débat en ce moment, dans une période évidemment difficile et d'inflation. C'est une réalité. On doit faire au mieux et surtout investir dans l'avenir. C'est pour ça qu'il faut créer des projets comme celui-ci, soutenir au mieux les régions dans la période qu'on vit aujourd'hui pour les trains du quotidien, et puis se projeter dans l'avenir, parce que les transports, la transition écologique sont des investissements à 10, 20, 30 ans. C'est ce qu'on porte par exemple avec les réseaux express métropolitains que le président de la République a évoqué ces derniers jours. Tous les métiers du ferroviaire sont importants et on a besoin de former les bonnes compétences, de créer ces métiers industriels qui sont nécessaires à la maintenance, au réseau, au fonctionnement des trains du quotidien. Il y avait avec nous le recteur avec qui nous avons signé un partenariat. Les métiers aujourd'hui techniques, de maintenance, sont essentiellement des métiers masculins. Pour le groupe SNCF, nous avons une ambition, c'est de sans cesse augmenter la part des femmes dans ces métiers et dans les métiers de maintenance. Et j'étais assez fier, même si c'est une petite proportion, d'avoir 10 femmes qui rejoignent l'équipe des 70 nouvellement recrutées qui vont être dans ce technicentre. C'est le double de ce que nous avons dans d'autres régions, mais il est important de faciliter l'accès aux femmes à ces métiers techniques. Et pour le groupe SNCF, nous faisons tout pour cela. Grâce aux nouvelles technologies, grâce à la maintenance, on va pouvoir envisager d'augmenter la fréquence. Et on travaille sur une fréquence telle que celle qui a été indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire aux heures de pointe, une circulation qui pourrait se faire à l'optimal au quart d'heure, ce qui augmenterait bien évidemment les possibilités pour nos concitoyens habitant la métropole orléanaise, mais aussi habitant Blois, mais aussi habitant Tours. On est là sur une plateforme. Et à la question de savoir pourquoi ce centre, nous, à chaque fois qu'il y a des périodes au niveau climatique qui sont difficiles, je pense à la période où les feuilles tombent sur les voies et où il faut retravailler les roues, je pense à la période où il fait froid et où on a sur les moteurs qui sont en haut des machines, on a des fragilités, on manque de capacité à entretenir. Donc on a des machines qui étaient bloquées pendant des journées et des journées. Là, on aura un rythme de réparation qui sera bien meilleur. Et sur la maintenance, on est quelque chose de très 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 adapté aux technologies d'aujourd'hui. Les technologies de ce train ne sont pas celles qui étaient dans les technologies antérieures, donc il fallait un nouvel équipement.